Alors déjà, leur expliquer que ce n'est pas un métier masculin spécifiquement et que donc les femmes ont toute leur place sur la planète web. Faire de la maïotique, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'elles ont déjà des capacités, déjà des connaissances qui ne demandent qu'à fleurir, tout simplement. Alors pour moi, clairement, c'est de la cooptation. C'est vrai que en tant que femme, on a aussi besoin d'avoir d'autres femmes qui puissent nous expliquer un peu, nous faire venir. Donc ça, je trouve ça intéressant, qu'on puisse nous mettre un peu en avant, faire parler de ce métier-là qui n'était pas forcément accessible ou qu'on ne connaît pas trop. Il y a un vrai enjeu autour de l'éducation, autour des rôles modèles. Et puis ensuite, au moment où on rentre dans le marché, c'est pareil. La tech, c'est souvent associé au monde des startups. L'idée là, c'est vraiment d'associer ça comme une vraie capacité à être épanouissant dans sa carrière et pas forcément renoncer à une vie personnelle. On peut être très très heureux dans la tech.